Allez, Sabatier. Ça décale pour Bélil. Bélil, une nouvelle fois, qui peut shooter. Il nous l'a montré la dernière fois. Et oui, le but. Oui, c'est Robin. Seconde. Il reste 3 secondes sur la première pénalité. C'est une position qu'il affectionne, Clément. Quand il est comme ça, Bélil. Qu'il avait déjà démontré lors du match précédent. Attention tout de suite, et cette équipe voilà gothique qui tout de suite met la pression sur les cages de Quentin Papillon. Et c'est une cage ouverte. Le but risquerait d'être annulé malheureusement. Jérémy Roman qui marque ce deuxième but, mais sur une cage ouverte. Donc but annulé. Nibélil qui avait marqué effectivement lors du match face à Bordeaux dont. Allez, la récupération est côté amiennois avec Roman. Le décalage est fait. Allez, allez, qui est passé? C'est bien joué, c'est bien joué. Et la Tommy Giroud qui vient crucifier Quentin Papillon par un dribble. Très bien monté ce but, une super belle récupération dans exactement. La zone. Philippe Allais qui a vraiment vu son partenaire et qui a fait une feinte de faire un demi-tour pour ensuite distribuer cette passe. Ah, le but il est vraiment superbe parce qu'il est très bien construit et puis vraiment on a senti de la maîtrise sincèrement. Et ils se sont pas pressés. Qui vient vraiment au duel. Qui avec... pour la conservation. Bien joué de la part de Henri Corentin une fois de plus qui fait l'arrêt du plastron. Et le but. Et le but. Et le but là les Amiénois qui ont joué avec le feu en sortant ce palais approximativement. Et c'est Nelson, il me semble, qui vient de... Sur une passe de Bove. Ouais. Et Wilson qui vient... il y avait le trou. Hein, c'est ça. Il ne peut pas être partout. Donc du coup, Henri Corentin, là, qui le temps qui se décale sur sa droite, s'est fait fusiller par Wilson. Allez, c'est Scorpion qui remonte au score. C'est sur le patin de Melun, de la part de Sabatier. Beau décalage pour Allais. Oh oui. Oh, il a vraiment dévié ce palais là dans les buts de Papillon. Le Papillon énervé qui repousse la cage. Il est puni sur son erreur. On peut pas. Il peut faire tout ce qu'il veut. L'erreur a bien de lui. Hein. Les 2 minutes, c'est lui qui les a pris. Il peut que s'en vouloir. Mais par contre, l'action, elle est très bien menée. Parce qu'en 2 passes. Après, il n'y a pas de. On ne pose pas de questions, on envoie ça au fond. Et les Mulhousiens qui vont pouvoir. Oh le shoot et les buts! Il était tout seul, il était ouais. Tout seul, il est venu se placer. Voilà, tranquillement, il est venu se passer entre les oreilles, au milieu de classe. Il est venu sniper. Henri Corentin qui n'a rien pu faire. Qui était masqué en plus. Le but il est propre, hein. Vraiment il est sur une récupération pareil de l'arrière. Allez Roman pour Giroud. Ok là, une nouvelle fois, belle position. Et du monde devant la cage pour Giroud. Allez deux choses. Oh oui. Allez, Quentin qui était par terre, il pouvait plus rien faire. Il était couché par terre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il a été retiré par un de ses coéquipiers. Et les Gothiques qui reprennent 2 pions d'avance à 8-26 du terme de ce match. Ils vont pouvoir respirer, parce que j'avoue que c'était. C'est toujours mieux d'avoir 2 buts d'avance. C'est des Scorpions. Du terme. Il fallait tenter le coup de toute façon, il avait raison. C'est ça, je pense que le coach de Mulhouse avait raison. Il fallait le faire. Parce qu'il suffisait pas de remonter au score, il fallait aussi remettre un pion derrière. Pour le goal à virage, à la vie. Ligné. Et le but. Magnifique but là. Celui-là.
qui aspire, oui, voilà. Et puis qui aspire vers lui, trois joueurs. Ouais, et puis je pense que les Amiens n'ont pas voulu non plus se mettre trop devant pour éviter les coups. Il reste 17 secondes. C'est ça. Encore deux buts à remonter. C'est faisable, je dis pas le contraire. Mais je pense que ça peut être compliqué.